Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus, l'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man au mépris des conséquences a provoqué un raz-de-marée de nouveaux gangsters, tous plus psychopathes les uns que les autres. Mon prochain invité a la chance d'avoir survécu à un vol à main armée. Monsieur, nous sommes ravis que vous alliez bien. Merci. C'était ouf, ces types rentrent comme s'ils étaient chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème! Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui au nez. Je vais bien. Au revoir! Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure de super-héros, je parle évidemment de Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 5, installez-vous, on va passer une bonne demi-heure ensemble, prenez de quoi boire et pourquoi pas de quoi manger, on va cette fois-ci continuer, je vous le promets, l'aventure principale parce que voilà, vous êtes nombreux à avoir dit ouais, l'épisode 4 c'était super sympa, la balade était cool, mais B-Boy, s'il te plaît, pense à l'aventure principale. Je sais que vous êtes tous pressés de découvrir un petit peu ce qui va se passer, les enchaînements de situations, mais appréciez parce que clairement, c'est quand c'est fini que je vous vois le plus venir parce que bah, vous êtes déçus et tristes parce que bah, c'est terminé, vous n'avez plus de Spider-Man donc. Profitez les gars, profitez du jeu, profitez que je me balade. Il y a peut-être des épisodes pour vous qui sont inutiles ou qui ne servent à rien, mais croyez-moi que quand il n'y en a plus du Spider-Man, bah vous en demandez et il y en aura clairement plus d'autres, donc kiffez un petit peu. Bref, on est parti, vous inquiétez pas, hein, évidemment, on va faire de la quête principale, beaucoup de quêtes principales, et je suis en train de me faire usurper, c'est bon! Juste avant, je vous avais dit qu'il fallait impérativement terminer les antennes. Il nous en restait 4. On en a fait 2 sur 4 déjà. Ça serait dommage quand même d'arrêter en si bon chemin. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir d'une bien triste manière. Et boum. Il est où? Il était super bien planqué en vrai. En vrai, clairement, c'était les boss. C'est parti. On y va. On a une antenne là-haut. Je sais, je vous vois arriver. Mais les gars, on aura toute la carte. Et peut-être même un autre costume. Qui sait? On aura juste à débloquer à l'aide de jetons. Donc en vrai, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Les deux derniers sont là. Après, c'est la fin du calvaire. On est parti pour la quête principale. Évidemment, dès qu'on croisera un petit sac, un crime, une connerie, on le fera, les gars. On le fera. Il nous faut des jetons. C'est important pour les nouveaux costumes. Oh putain, je me suis fail là. Je me suis fail. J'ai cru que j'allais mourir. Mais je suis Spider-Man. Donc tout passe. J'adore le dire à l'anglais. J'adore le dire à l'anglaise même, Spider-Man, c'est incroyable. Je pourrais passer ma journée à dire Spider-Man. Genre un épisode où je ne dis que ça. Attendez, hop, voilà. Vous avez vu comme ça va vite? Plus qu'un, c'est terminé. Promis, direction, quête principale. On a fêté l'anniversaire de Tante May lors du précédent épisode. C'est d'ailleurs bien la seule chose qu'on a faite. Mais c'était quand même relativement intéressant. Il est où le dernier d'où Jésus? Il est par là. Il est par là, on y va. Oh, je suis passé juste un peu, non? Là, par contre, oh putain, le boss, en vrai. Je commence à gérer. Oh là là, le coup du buisson! Très connu, ça, hein, dans l'Ohio. Mais à New York, c'est vrai que peu de gens connaissaient ce coup-là. Il fallait que je leur montre. Hop, regardez. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Et ben voilà, on y est, aucun souci. Connexion à la tour! C'est le dernier. Après, c'est terminé. On a l'intégralité de la map pour notre plus grand plaisir. C'est fait. Là, normalement, on va m'appeler. Yuri va m'appeler et va me dire franchement, je te kiffe. Je te kiffe et clairement, t'es le boss. Tiens, nouvel équipement disponible alors, les gars. Super couverture. Et en plus de cela, un trophée. Je pense clairement que ça valait le coup. On est parti. Hop, pas dans ce menu-là, mais dans celui-ci. Regardez-moi ça. Alors. Oh, comment il est bizarre. Il est bizarre. C'est un costume un peu Black Panther, tu vois, mais version Speedy, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils me font des jetons de base, il m'en faut un, et des jetons de recherche. Je ne sais pas encore c'est quoi, il m'en faut 2, mais on a un nouveau costume qu'on pourra déverrouiller à l'avenir. C'est fait. Allez, on y va. Voilà. Direction la quête principale. Les tours de surveillance de la ville sont réparés. J'ai bien bossé, hein? C'est pas mal, ouais. Suffisamment pas mal pour permettre à un vieil ami de dire un petit mot? D'accord, mais faites vite. Leur chance était mince, le danger omniprésent.
Mais avec l'intuition infaillible de l'inspecteur Spider et la détermination de la capitaine, rien ne pouvait leur résister. Oh, c'était assez touchant. Une drôle de combinaison. Mais comme le beurre et la confiture, ou un petit déj à 20h, ils allaient bien ensemble. Je vais raccrocher. A plus, inspecteur Spider. Elle est de moins en moins coincée, non? Ouais, carrément. J'aime bien quand il fait l'inspecteur Spider. Je trouve les vannes assez bonnes et pourtant... Spider-Man est plutôt connu pour faire des blagues très très lourdes. Il est très lourd, Spider-Man, en soi. Allez, on y va, les gars. Mais clairement, j'aime bien cette vanne. C'est un running gag plutôt appréciable. On est parti. Je rappelle que c'est la vente aux enchères de Fisk. Voilà, parce que maintenant, il est en prison. Et il va falloir surveiller ça, apparemment, de loin, d'accord? Donc, on va faire très attention, s'il vous plaît. Faites attention chez vous. Ça va m'énerver. Il va falloir être discret, encore une fois. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Ok, on va faire attention. Yuri. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Deux ennemis ici. 3, 4, 5, 6, 7. C'est la merde, hein. On a une aération. On va peut-être pouvoir pendre un mec, je sais pas. Lui mettre sa part. Ok, éliminer silencieusement. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Lancer des toiles sur les surfaces et les objets pour attirer l'ennemi. D'accord. Mais quoi? Une toile d'araignée au sol? Oh, oh, c'est tellement stylé! Il a pris sa part, hein. Ils ont l'air si mignons en mitouflés comme ça. Ok. Jusqu'ici, pas de soucis. On continue. Lui, on va pouvoir le prendre directement. Je devrais le piéger d'en haut. Voilà. Allez, hop, ça c'est collé. C'est terminé pour toi. Bah, attendez, je crois qu'il faut passer par là, hein, maintenant. Hein. C'était de toute façon le seul chemin possible. Bon, doucement. Ok, positionnez-vous derrière un ennemi pour réaliser une élimination silencieuse. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Ma patience a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. Je suis boss ou pas en vrai? C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Ok. Appuyez sur R3 pour afficher les ennemis. Si vous attaquez un ennemi avec une icône de danger, vous serez repéré par les ennemis aux alentours. D'accord, c'était donc à ça que servait l'émote. Vous pouvez attirer les ennemis en lance-toile sur les surfaces et les objets à proximité et créer une diversion. Appuyez sur R3 pour chercher une diversion. Ok. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud! Et donc si, qui suis bas? Ok. Et dodo! Oh la vache! Tout va très très vite! C'est un mélange de triangle et de carré. Faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là.
Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. 15 minutes plus tôt. Hola. Hola. Je pense qu'on va devoir faire sa phase d'infiltration. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste ? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr ? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig ? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Ok. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord ? Ok, on peut mater plusieurs choses. Katana, un katana attribué. Il a ouvert Peter en deux avec ça la première. À Masamune. Ils se sont battus. Garde restaurée. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Je suis sûr qu'il y a d'autres clins d'œil. Au début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière. Aux autres Marvel ici, c'est sûr. Putain, si jamais, on va essayer de regarder un maximum de trucs et si jamais vous repérez un clin d'œil que je ne repère point. Parce que je suis pas fan de tous les Marvel, n'hésitez pas à me dire. Je suis sûr qu'il doit y avoir un truc. Samouraï de l'air Sengoku. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Putain, Fisk... Fisk, il était bien, il était même très très bien. Cigare roulé à la main, 20e siècle. On en a pas parlé aux infos. Donc 20e siècle les gars, de 1900 à 2000. Hein. Ça peut être fait n'importe quand. Hein. Armure tatami. Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Ah, attention. Ok, c'est beau ça, c'est très très beau ça. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Très bien. Il y en a des choses, le Fisk. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche ? Attends. Oh ! Ça peut être intéressant, ça. Violoncelle. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa ? Alors ça, si quelqu'un a une culture très développée de Fisk, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Kyoto. Ah, Kyoto. C'est magnifique. Le Japon, les gars, le bonheur. Une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Mais tout ce que j'ai est ici. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un bonne partie de chemin. Ah, il manquait celui-ci. J'ai failli le louper. A mis au jour des crimes cachés. Peut-être voilà l'ancêtre des journalistes d'investigation. Ah, ça m'a saoulé. Je l'aime bien. Ça m'a saoulé, je fous la merde. Ah. Canne de marche. J'ai toujours très détesté bien. Cette canne. Trop kitsch. Ok, on est pas mal. On est clairement pas mal. Il y a encore quelque chose de l'autre côté. Je pense pas que ce soit intéressant d'y aller. À mon avis, il n'y a rien d'accessible. C'est parti, fais-moi rêver. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. Je te mets ça dans le cadre. Hein. Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez, avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Très bien. On apprend des choses. Elle était un petit peu de mèche avec Fisk, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu veux me faire montrer, là ? J'ai déjà vu tout ça, ma grande. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non.
Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. D'accord. On essaye petit à petit de mener notre enquête. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Ça va partir en couille, hein. On va plus faire la photo. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo, c'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Tu vas me parler autrement, hein. Oh, c'est stylé quand on court. L'animation du personnage, franchement propre. Ok, on fonce aux toilettes. Et c'est là, forcément, que nos chers amis au masque de démon vont Tiens, arriver. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Ok. Lorsque les ennemis ont des soupçons, le symbole point d'interrogation apparaît et commence à fouiller la zone. Le symbole point d'exclamation signifie que vous avez été repéré. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. On a eu chaud. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement... Une minute, c'était... Mais, qu'est-ce que j'ai vu? Madame, vous êtes aveugle. Je me doute de quelque chose. Mais je ne suis Laisse pas tomber. Sûr. Comme je te disais... Oh, c'est trop bien. Par contre, elle reprend la conversation. La bosse. Hop, ça, bien ça dégage. Craig. Ça dégage, j'ai clairement été le boss. Parler de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Là, il y a forcément quelque chose. Ah! Ok, examinez. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bouche bas. Fermée, bras gauche Paume en bas. Droite en avant. Bouche fermée, bras gauche en bas. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, mesdames et messieurs? Peut-être que ces trucs bougent. Donc. Hop. Pardon, hein. On peut pas lui faire fermer sa gueule, hein. C'est terrible. Bouche fermée, bras gauche en avant. Bras gauche chez lui et paume. Ah, bras gauche quand on est d'en face! Parce qu'il y a une histoire de paume aussi. Ah, faut bien viser. Bouche fermée, bras gauche en avant. On est bon les gars, bougez pas. Je vais relire ceci. Non, là c'est la paume vers le haut et bouche ouverte. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Paume droite en avant, bras gauche en bas. Catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant.
bras gauche en bas. Peut-être qu'en tournant sa tête. Bien. Voilà. Compliqué cette histoire. Mais il manque quelque chose. Pardon ? Que peut-il bien manquer, d'où Jésus de Nazareth ? C'est le nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Ah ? Très bien. Qu'est-ce qu'il a de différent, la tête ? Bras gauche en bas. Ils avaient inversé, enfin, c'était d'en face. Hein. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Il manque quelque chose, bougez pas. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. Tête tournée, mais qu'est-ce qu'il a de différent ? Les sur la tête vers le haut. Mais pour moi, il n'est pas différent. Hein. C'est une histoire de pec ou quoi ? Ok. Clairement, il se passe quelque chose de louche. Peut-être les tétons activés ? Comme des interrupteurs, je sais pas. Ouais, non. Il y a quelque chose à fouiller. Mais où ? Ah, évidemment. J'ai déjà vu ça. Faut le prendre, je pense. Hop, on prend. Ok. On va lui mettre ses cadeaux. Ça ne va pas. Très bien. Ça va toujours pas. C'était peut-être pas celui-ci. D'accord, j'ai le choix. Oh putain, les gars, c'est recherché votre truc. Hein. C'est recherché. On peut pas savoir ce que c'est. Il y a Fisk devant. C'est pas comme si Fisk il faisait. Bref. Ok. Il tient quelque chose. Un sceptre. Très bien. Il tient un sceptre. Et pour moi, c'est celui-ci ou celui-ci. Peut-être, attendez, peut-être celui-ci, non ? On va essayer celui-ci. J'y crois moyen. Voilà. Ok. Ça me paraissait plus grand sur la photo, pourquoi pas. Norman Osborn. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Le souffle du diable. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Hop, ferme-la. J'aime pas ça. Où est la statue ? Ici. Pas Wen Jian Zhao Shulai. D'accord. J'allais voilà rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... Très bien. Elle a changé de parfum. Oh, c'est pas le moment, Peter. D'accord. Oui. Et les gars, c'est encore d'accord. Des tutos, hein. C'est ça le pire. Okay. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Ok, j'y vais direct. Hein. Coucou, Spanier. J'y vais direct. Hein. Oh, oh, je l'ai envoyé dans le pièce, le fond. Aïe ! Des terroristes ! Ok, c'est terminé. Fin du game. Fallait être full discret. Très bien. Ok, ouais, j'y allais, les gars. Et je suis Spider-Man, les mecs, tu vois. Au bout d'un moment, t'y vas. Bon, elle a pris une balle, on n'en parle plus. Elle s'est fait cartoucher, c'est mort. En même temps, je vais pas vous cacher. Elle méritait un petit peu. Ok. Il y a beaucoup de monde, quand même. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Hop. Ça marche. Bien travaillé, petit héros.
qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point ? Ça dégage. Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Discret. Je commence à kiffer vraiment le... Je commence à tout kiffer, quoi. Oh. Je commence vraiment à kiffer le système de déplacement et tout. Et voilà. Tout est ouf. Tout est ouf. Je les prends tous un par un, là. C'est putain de bon. Pas, Peter. Ok. Ok. Lâche-moi. On va où, MJ? Quoi? Arrêtez! Non. Cache-toi. Ok. Ok. C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi, wow, ce qu'il avait? C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Eh ouais! Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi! Ok. Ok. Oh là là! C'est des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes! Vous le saviez? Ok. Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantôme. Tant pis. Ça dégage. J'ai combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Hop, et moi le musée, je le baise, hein. Ok, c'était chaud. Allez, ça dégage. On a fait le dernier. Impeccable. Ah, pardon. Putain, c'est bien stylé, leur truc. Calme-toi, Jackie Chan, hein. On va se la donner, toi et moi, tu le sais? Hop, ça dégage. Oh, bien joué. C'était une patate méritée. Ok. Ok. C'est parti. Bien joué, bien joué, bien joué. Fallait le faire, il l'a fait. Ok. Ouf, t'es chaud, mon pote. Allez, ça dégage. Voilà. Une le bonne cardio, chose de faite. C'est fait. Hmm. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Donc, Mary Jane sait que Peter Parker est Spider-Man. C'est incroyable dans cette histoire-là. Depuis quand Mick est devenu italien?
Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle ? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement cette promotion ? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis ? C'est ce qu'on est pour toi ? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. J'espère que vous l'avez reconnu. Incroyable ! C'est Stan Lee qui est figurant dans tous les films Marvel qui sont sortis au cinéma. Vous voyez à chaque fois Stan Lee pendant quelques secondes à l'écran de chaque film. Il joue un chauffeur de bus, un client, juste un habitant. Et dans chaque Marvel, il est là. C'est le créateur de Spider-Man et Tutti Quenti. Putain, ils y ont même pensé dans le jeu vidéo. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé des criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Je trouve ça juste ouf, les gars, qu'ils aient mis Stan Lee. Je suis encore... Je suis content, ça m'a donné le sourire. Juste, ça m'a donné un putain de sourire. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À très bientôt tout le monde pour la suite de notre incroyable aventure sur ce Spider-Man. Bisous tout le monde, ciao.